c'est parfait. Oui, non, on ne sait pas, on est au pif. Oui, c'est bon, on fait signe de la tête, c'est bon là. Ils sont partis, mesdames et messieurs, c'est parti, finale ouverte. Je suis merci, Peter de Dix, Nadri, Kofantes, Abdel, et grosse phase de camp d'entrée de jeu, avec Nadri qui va charger un peu sa super au minima de loin, sachant que Abdel a plus envie, voilà, d'y aller à coup de dash long, là où c'est très très loin, un des dash qui est justement assez voilà, la prise d'entendre. Et la Dream qui essaye d'attaquer très vite et finalement à force d'attaquer c'est plus poussé qu'autre chose et premier Doskoï quand même de rentrer, moi ça sera pas parfait là-dessus, maintenant faut que je prenne davantage sur ce Doskoï, mais Doskoï tu entendras un peu, je prends la part de lui qui a entendu un peu sur lui, se relève en tâchant fort, il craint à la super, c'est terminé, c'est déjà terminé, la vitesse à laquelle c'est allé, c'est hallucinante. Abdel qui gère parfaitement son espace, c'est surtout le match-up, hein. Pas spécialement si facile que ça. Pas prendre de mise au sol, mec. Sinon, c'est le drame. Et du coup, je vois Zargat qui enlève son téléphone, ses clés, son portefeuille, ses poids, un peu comme Tupolo. Il a perdu tous ses poids, il est là. Les Lyonnais sont là pour encourager Zargat qui va jouer Shenli dans ce tournoi et qui va avoir un match difficile à faire devant lui. 1-0 pour la team Nord-Est. Et c'est lancé. La Shenli de Zargat va-t-elle pouvoir gérer assez longtemps. Elle va même dire qu'il était passé dans le rang, mais elle a réussi à l'en mettre 2-2 pour bon. Fait comme un punch dans les bois, tout qui a pas le temps avec un nouveau Nashopper qui a fait mal. Nashopper a subi. Il a bien relevé sa garde par Achille Boxon et prend le pushback et pas prendre le reset shot net du Nashopper. Mais qui en tient tout ça. En plus, Universal Attack, c'est Bissama, signé, parlé, il est là. Même le jeu de Lee, attention, t'as fait l'erreur. Très bonne réaction du système premier. Entière, l'attaque était un peu. De quoi si tu peux prendre l'envoi, transformé en tête chaud, Kaku. Et une bonne couverture au Yaku. En tout cas, oula, il finish. Malheureusement, il a raté son Wii Finish et se prend un loup de chambre avec encore plus de tête chaud, Kaku. Il est derrière avec son dans le punch, mais la chambre était chopée. Tu peux pas mourir. Pas bien petit, c'était le moyen pour l'art. Mais les gars, chambre, c'est chopé. Contre lui, ta gueule Robocop Zargat est désormais décédé. Et il reste donc le Ryu de Kuni. Le Ryu de Kuni. Dans un match-up très compliqué pour Ryu. Comment s'en sortir sur un boxeur qui est omniprésent, aware complètement. Il a quasiment straqué tous les adversaires qui se sont présentés à lui. Ah, quand même, fait. C'est tellement dur à faire ça, c'est tellement dur à faire. Enfin, l'exécution est parfaite à Sten, gros point dans la tentative de notre maquille, il y a gros point entière. Dans le punch, il va décliner du dragon, Balka, la chauffeur, elle est dans le vent. Il a réussi le coup, il a dragon, il sort de là, il n'a pas réussi à sortir de là. Oh, ça fumé, ça fait bouche, mais la chope sur le deuxième raté, celle, le destin de la team Tiger Robocop. Ça a duré 15 secondes, hein. C'est intense, hein. Parfois, mais pas forcément quand ça dure plus longtemps que c'est le mieux. Un peu ça de Zix. Mais ça n'est pas perdu. La team Tiger Robocop se trouve donc en finale loser contre la team Cybermen. Et il y a encore un coup à jouer. Mais là, ouais, la puissance. Ok. Donc les voici. La dindonade. Le dindonisme. Yolo, Final Blood, on va voir pour l'Andel Sim, Sagat et Ken, c'est ça? Ken. Yuken, vous pouvez venir ici, hein, bien sûr, vous avez bien mérité. Je sais pas, je peux y aller. Oui. Oui. Alors évidemment, je vous rappelle que les gradins sont accessibles. Assister au final de ce Slugfest de ce samedi. Si eh bien, vous sentez
que vous êtes dans le passage et que vous faites bousculer. Je vous invite bien entendu à rejoindre les places libres dans les gradins. Ils sont bien remplis les gradins. Vous êtes bien dans les gradins là-haut? Ah, la chance que vous avez. Mais on est mieux ici. Donc je vous invite à rejoindre les gradins, il reste encore beaucoup de place et il me semble que si vous êtes beaucoup trop nombreux, bah, le Stunfest ouvrira encore les gradins IEX pour accueillir tout le monde. Donc vous en faites pas, n'hésitez pas à rejoindre les gradins, vous entendez les gens, ils sont bien, ils ont une bonne vue sur les phases finales. Donc n'hésitez pas à bourrer les places. Merci beaucoup. La team... Tiger Robocop se trouve donc face à la team Cybermen, seule team entre guillemets internationale à être parvenue aussi loin dans ce 3 versus 3 après avoir eh bien, écopé d'une petite fessée orchestrée par Abdel ici présent. Ces derniers vont devoir se relever dans l'esprit shonen pour pouvoir tenter de prendre leur revanche contre eux. Eh bien, cette équipe du Nord-Est, chaud, bouillante. Qu'a donné le Janken? Donc, Zargat, il va en premier, ce sera contre eux. Ils réfléchissent. Zargat a retiré ses poids. Et Vildindon se demande si ça serait pas bien de régler tout ce problème avec Delcy tout de suite, histoire qu'on n'en parle plus. Ou s'il faut la jouer fine. Ok, côté player 2, il me semble, pour Zargat, player 1, ça va être... Donc c'est toi Vildindon qui va en premier. C'est Biolo, d'accord, c'est Biolo qui va aller en premier, oui, c'est ce que je craignais. La puissance de feu de Dalsim contre... Eh bien... l'un des meilleurs joueurs du monde, hein, quelque part, à Card of Revenge. Zargat, alors que ça discute beaucoup ici. Alors que c'est beaucoup. Ouais. Ok, ça saute un peu l'image, attendez quelques secondes, c'est bon. Allez, technique. Pousse en l'air ou pas pousse en l'air? Ouais, non. C'est parti. Ouais, non. Pousse en l'air ou pas? C'est bon? Ouais, pousse en l'air, c'est bon. Mesdames et messieurs, c'est parti! Final loser de ce Team 3 versus 3-2-X, Zargat contre Biolo! Ah, et Dalsim a géré, hein, la distance, le rapprochement, les phases de choc qu'il faut donner et ne pas prendre. Évidemment, avec la choc multiple de Dalsim, il y a la difficulté à déchoper. Très bon, il y a Kondasu Kaku dans son premier tentative de drill. Il décale bien sa choc ici, pas même qu'à balayette, pas de combo, et super! À cause du recul, soit pas passé, il le laisse au zéro de vitesse, ça serait dommage de gâcher une bonne opportunité, charger la barre de super, pour réutiliser la super, et tu te dis, sachant que la super n'est pas conservée, il est quand même au sol, arrière HK avec la Yuga Blast, qui est bien évité par arrière, il est vite à son match. Alors là, n'importe quel autre perso était en utilisation des shake et mat, il avait réduit la distance par Yuga Inferno, et pour casser le saut de repli, très bon, c'est de la page anti-drill. Zargat est présent, mais à prendre son arme sur Yuga Fire, dans son écran, Tsukaku, une glissade dans le Kikoken. Et là, le pressing de Dalsim est vraiment plus en fond. Il y a place. Vous pouvez la déchauffer. On sera déchauffé du Kishop. C'est pas, je veux peut-être sale le joueur italien. Arrière gros point anti-cross-up. Très bon. Le petit décalage qu'il a fait ici, l'italien, pour se positionner idéalement afin de punir le ball jump de Zargat. Il utilise beaucoup, hein, cette phase pour sortir des points. Il l'a vu lors du dernier round. Peut-être Tsukaku, ça oui. Il y a une super quand même à sortir. Oh, il s'est relevé en mille temps du grill. Dans les genoux, à la limite d'une coup de presse, et Zargat se retrouve à un partout du coup. Dommage, hein, ce repli ce repli pardon, Spinning Bird lui a causé beaucoup de dégâts parce qu'il est déjà dans le coin en fait de soirée, il n'est peut-être pas si vite que ça. Quand on a un dégâts à choc, cassé par Yuga Fire, et pour Yuga Flame, c'est bien qui glisse encore, c'est le premier, Yuga Fire, c'est dur, comment sortir de là? Il essaye de faire un kick, il a cassé avec un kick, il a quasiment kick, il a pas super! Pas le pressing de Dalsim, c'est dur, c'est très très dur et Biolo prend le premier point pour la team des Cybermen. Et ouais mon gars, et ouais. Ce premier point, bonnet point. Puisque c'est la grille qui va y aller avec Honda,
Et on a d'Alcim, c'est pas agréable du tout, hein. Pas agréable, mais si on en croit, eh bien, un très certain coup souffle, en fait, ce match est limite favorable à Honda, lorsque c'est très très bien joué. Après, évidemment, il faut jouer comme coup souffle, parce que sinon, voilà, tu passes des moments pénibles, hein, comme est en train de passer ici, la drill. Mais bon, quoi, tant qu'essayer de sauter la prise au pied. Alors, on pense à toucher la garde, mais il aurait pu avoir la vie tentée entière avec Karen qui prend, il a pu pas prendre de risque, a mis sa garde, Yolo, et c'est qu'elle a la touche. Comme mon petit frère, comme Suzu, que l'on embrasse.
Eh bien, on apprécie en tout cas le mouvement. Tout ça pour dire qu'il n'est pas au pif. YOLO, pas au pif du tout. Et que là, ce junket va être déterminé. Non, je me lève, moi, je supporte pas rester assis dans des moments comme ça. Alors, messieurs, le junket a-t-il été établi? Parce que là, c'est d'une importance capitale, sachant que la team des Saïmamed doit reset le bracket, c'est-à-dire doit battre deux fois l'équipe de Abdes. Ok. Donc, c'est Evil Dindon qui va y aller en premier, visiblement. De l'autre côté de la borne, puisqu'ils ont perdu le Janken, qui va... c'est Abdel. Abdel, il n'a pas le temps. Abdel, il dit, assez bon, je refais la team. On va tartiner tout ça. On va pouvoir aller manger. Du côté de la technique, est-ce que vous êtes bon? Oui, non, oui. C'est Evil Dindon du côté des Saïbamen qui va y aller en premier. Avec Ken. C'est bon? Ok, mesdames et messieurs, c'est la grande finale de 2X! Abdel contre Evil Dindon et Lorenz contre les Saïbamen! La team française contre team internationale et Abdel qui a tellement été impressionnant! Et c'est pareil avec Valcor, avec Zaki, ça fait partie des joueurs qui ont impressionnant ce tournoi. Derrière Tatsumaki, il a essayé de taper, du coup, il a pris un headbutt. Evil Dindon se retrouve un peu plus tôt. Pas là, évidemment, la Xbox du headbutt était ailleurs. On se dit, ouh, dragon dans Nashlo, car c'est job qui est bon. Voilà, je vais faire du skip overhead. Il essaie de 41 Nashlo encore avec un dragon. Voilà, encore. C'est ce qu'il essaie de faire depuis le début. Abdel Dindon redresse dragon dans le headbutt. Et Abdel Dindon qui transforme Super Saiyan. Pour cette couleur jaune du respect. Et Abdel Dindon qui vient d'envoyer lourd sur ce round-là avec un petit. Je n'ai pas mis lors du dernier round, qu'il a peut-être galvanisé, par contre là c'est pas bon. On va le dire, je dis c'est pas bon parce que la position est vraiment très peu avantageuse. Mais bon, il a mis plusieurs dommages, regardez le réflexe de Abdel qui met Dash Hopper dès qu'il y a saut arrière, il n'y a pas d'embrouille, il est sûr qu'il rentre, il ne pourra pas le saut au pied. Allez, il ne faut pas faire ça, le saut au pied de Hopper, j'allais dire que la chambre petite, alors ça peut être terminé, s'il rate absolument rien. Peut-être que les dieux de 2X sont du côté de la team Nord-Est. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça fait 1-0. Non, il n'y avait pas la super. Il a voulu faire d'Achelet. Je ne sais pas. YOLO contre, Boxer. Sachant que c'est un match-up, il ne faut juste pas trop aller au sol, mais ça peut être gérable pour Boxer. Regardez, Abdel, c'est tout de suite, il faut aller de l'avant, être ultra agressif et surtout ne pas trop se faire prendre de la distance. Sinon, voilà, on dérouille ça. Mais vous avez réussi à arnaquer des doubles touches et c'est pas vraiment des arnaques. Hein. C'est bien provoqué sur les anti-airs premiers du Dalsim de YOLO. Donc, c'est plutôt bien. Je rappelle que Dalsim fait quand même assez mal à la team Nord-Est, puisque après le match-up qu'on a est pas spécialement terrible, donc c'est quelque chose qu'il faut rien passer. De Dash Hopper est bon, il y a la super qui est là, c'est une grande joie, c'est gratté tout de suite. Pas de Yoga Fire, pas de Yoga Flame, pas d'erreur du côté de YOLO. Il essaie de provoquer, mais là, double touche, le grattage des garanties. Le grattage des garanties, mais ce qu'il avait peur, c'était de prendre la super de Dalsim dans sa super à lui. Double freeze. Et ça aurait été terrible, n'empêche que YOLO prend le premier round, très bon drill whiff pour placer la chope à la retrouver. Avec trop drill whiff, va essayer d'utiliser beaucoup ça. Là, Abdel va devoir être très présent. Dasherait dans le Star Potter Fire et Dasherait qui fait stun, est-ce qu'il a le temps? Ouah! Évidemment, il a le temps. Ouah! Voilà, patato YOLO. Un partout. Et c'est un peu comme ça, un hein, final très accroché. Même si pour le moment, eh bien, ça tourne en faveur de Abdel. Beaucoup d'énergie perdue, oh, c'est le haut du point prochain. Pour ton cher, c'est fini, t'en rends pas super. Et allez, oula. Terminé, mon gars. 2-0. Et il va pas perdre, hein, cet homme va pas perdre, il faut l'arrêter, que quelqu'un le stoppe, je vous en supplie. Et
ça va être le Sagat de Steel Blood qui va être le dernier représentant pour eh bien, faire ce qu'on appelle un reverse OCV, c'est-à-dire essayer de détruire les trois. C'est 9 1 pour... Oui, bah, c'est 9 1 pour Boxer, bien sûr. Ça, c'est easy but easy. Mais attention, Spinal Blood, il a plus d'un tour dans son sac. Il a une balayette avec ça, voilà, avec une balayette. Hein. Tu peux, si toutes les balayettes touchent, normalement, il n'est pas possible de perdre. Ah, bon, non. C'est difficile, en fait, d'en tirer les sauts de Boxer. Surtout quand ils viennent de loin comme ça, avec le dragon de Sagat, de Zix. Hein. Pas le Hulk Sagat, il faut canceler, par contre, c'est pas MK. Vraiment, vraiment, les canceler plus rapidement que ça, même si ses sauts sont assez judicieux. Il est pas sorti, un finage d'eau, il reprend mal P. D'ailleurs, Sean sont risqués, même à cette distance-là, il attend que ça de pouvoir se rapprocher pour mettre une super et puis casser d'ailleurs Sean. Spinal Blood qui a légèrement l'avantage, mais c'est vraiment juste le fait de se rapprocher, mais dans son sens vertical, la prise à chopper, très intelligemment lui, il prépare la tête, qui pousse, et qui va bien rentrer la super. Un moment, un autre, c'est dans la gamme pour la fin, il reste quelques secondes, peut-être pas tuer, non, Dragon Lash, non, c'est Dragon Lash, non, il avait eu toute la chance du monde, hein. Mais il n'a pas su la saisir, et du coup, la balle de match, elle est du côté du Nord-Est, plutôt d'Adèle, hein. À mon avis, à lui tout seul, emmener son équipe vainqueur de ce type du Sunfest. Dashlo encore, Dashlo c'est le gros point, Dashlo c'est le gros point, Dashlo c'est le gros point. Apparemment, les balayettes ne rentrent pas, Dashlo c'est le gros point, c'est vraiment en cancer, ça paralyse le jeu de Sagat. Oui, il ne peut pas faire de boule, t'en as un punch qui va taper très très fort, mais la Russie a tapé MK avant de se faire choper sur Dashlo en 8, ce qui est plutôt juste, mais qui est assez chanceux, et en plus, il oublie de canceller ses MK, c'est dur, c'est très très dur, c'est très très dur. Mais voilà, Abdel Noodle C Milania qui remporte donc le tournoi team de 2X. GG. GG à eux. Pas de match. Hein, la violence à l'état pur. Hein. Vous transposez la violence dans la vraie vie, ça donne ça. Hein. C'est assez terrible. Les troisièmes exactement. Voilà, j'invite toutes les équipes à venir ici devant cette scène. Vous avez tous gagné eh bien, des galettes bretonnes et du wak, un peu de sel. J'ai toujours énormément à jouer dans le Six. Alors, quel est le programme juste après? Est-ce que tu sais? Premièrement, Guilty. Guilty. Waldo me dit Guilty. Très bien. Juste après, vous retrouvez les finales de Guilty avec le top 3, c'est ça? Ouais. Avec deux japonais dans le top 3. Bon, dis ça après ça. Très bien, restez ici. Stay here, please. Ce Ken, tu m'as fait rêver. Tu m'as fait rêver. Allez, où sont tes amis? Voilà, Koudi. Koudi Ladrill. Ouais, la déception, mais ils sont là. Vous avez un sac pour toi, vous partagerez les petits gâteaux. Voilà, félicitations à eux. Troisième. Les deuxièmes, c'est vous la team Cybermen, deuxième de ce tournoi, on peut les applaudir. Spinal Blood, évidemment. Et enfin, tonnerre d'applaudissements pour les premiers de ce tournoi de Zikor Team. Voilà, Abdel Noodles et Emiliania avec le trophée. Ce trophée que vous allez pouvoir partager en trois, mais je pense que tu l'as amplement mérité, Abdel, sur cette finale. Félicitations à vous. Bien joué, beau spectacle. Portez 2x1. Il y a quoi, ok, Devil May Cry, très très bien ça, Devil May Cry et les galettes. D'accord. Les galettes bretonnes. Les galettes bretonnes, c'est bien. Mais comme le dirait encore le Street Fighter. Yeah, brother!